Eh bien, c'est parti, les gens. On va traverser le lac de lave. Super! Vous avez les 20 piles nécessaires à mon bouclier thermique. Attention, le bouclier ne protège le zoomer que jusqu'à 500 degrés. Alors veillez à ne pas les atteindre. Il se réchauffera très vite si vous survolez la lave. Et si vous atteignez 500 degrés, ce sera fini. Fini? Comme du métal tout fondu et brûlant? Le canyon de feu est très chaud. Alors essayez de faire des sauts pour éviter le sol brûlant. J'ai aussi relâché plusieurs ballons bleus de refroidissement que vous pouvez utiliser pour rafraîchir le bouclier. Oh, et quand vous aurez traversé, n'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du sage bleu. Ainsi, nous pourrons nous téléporter jusqu'à vous. Bonne chance. Fais un petit bisou. Très bien. Bon, on va monter le son. Hâte d'être au Hellfest, ça fait... Ah, moi aussi j'ai hâte d'être au Hellfest pour revoir les Knot qui étaient plus en forme que jamais. Et Judas Priest, Five Finger Death Punch, oh là là mon dieu. Touche ces ballons pour refroidir. Il y a des métamouches ici aussi. Essayons de prendre de l'altitude avec ces lurkers. Bon. Bon. Un petit ballon. Merde, j'ai raté la mouche. Je vais donc recommencer. Utilise le virage sauté pour mieux tourner. Aïe. Eh merde, je sens qu'on va la recommencer plusieurs fois celle-là. Allez go. Aïe. Alors on essaye de prendre toutes les mécamouches. Ce serait pas mal d'avoir une pile d'énergie. Je crois que j'en ai raté un. Non. Non. Ah bah je suis à la fin. Easy game. Easy. Wouhou. On a réussi. Village de pierre. Allez hop, on va activer le téléporteur pour les deux là. Uniquement ça me fait une petite schtroumpf. Je crois que je ne m'habituerai jamais à cette espèce de chatouillement du téléporteur. On dirait que le sage a fait une fête. Oh là-bas, le village des pierres est en flammes. Oh, ça c'est une sacrée fête. Non, non, le village des pierres se fait bombarder de rochers enflammés. Oh, et on dirait que le sage bleu travaillait sur une machine à lévitation pour les déplacer. En supposant que cela fonctionne, il va nous falloir des piles d'énergie pour l'alimenter. Je pense qu'il va falloir que vous en trouviez plus. Nous ferions bien de regarder ces notes. Tac, va voir les villageois. Et reviens nous dire ce qui se passe. Et emmène la boule de poil. Ok. Bon. Hop, déjà de 1. Ça c'est fait. Comment je descends en fait? Par là. Ah ouais, par là. Bon, y a un vilain qui bombarde des boules de feu là. Je suis pas d'accord hein.
Alors tout ce que je vais faire, c'est que je vais relancer l'Ardif Dailymotion. On sait jamais. Hop là. Bon. En attendant de savoir pourquoi le sage bleu a disparu, il faut que vous ramassiez 45 piles d'énergie. 45 machine. Ne traînez pas. Il faut que je continue mes recherches. Par contre, elle parle trop mal. Attends, j'avais vu un truc par là-bas. Oh merde. Ah, Abilout. Attention à la lumière noire. Elle a affecté le destin de l'un de vous deux. Apportez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. Ah bah, si tu veux ma poule. Voici une autre pile d'énergie. Et voilà, et de une. Quête. Ah. Tain. Tiens, on va parler à elle. Salut Bijou. Salut Bilout. Vous m'avez l'air vraiment très doué tous les deux. Je fais une étude. Oui, je suis très doué, oui. Vous pourriez peut-être m'aider. Bien sûr. C'est notre aventure. C'est nous qui avons besoin de votre aide. Alors nous pouvons nous entraider. J'étudie le comportement des taupes éclairs dans le bassin précurseur près de notre village. Mais ces horribles lurkers ont effrayé les taupes qui sont remontées. Et comme elles sont aveugles, elles n'arrivent pas à retourner sous terre. Si vous parvenez à les ramener vers leur galerie, vous leur sauverez sûrement la vie. Une pile d'énergie vous convaincra sans doute. Ouais, les taupes éclairs, on s'en acquit. Mais contre deux piles d'énergie. Bien tenté, mais vous aurez droit à une autre pile d'énergie si vous me trouvez 90 orbes précurseurs pour mon équipement de recherche. C'est d'accord? Et j'en ai combien sur moi? 8. Bon, comment dire que je suis baissé? Bon, on va aller par là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de bons souvenirs dans ce truc là. Pas du tout de bons souvenirs. Oh ouais, non, c'est casse-couille! C'est un de ces lurkers volants! Il a peut-être une pile d'énergie. Il a rien sur lui, ouais. Bon. Ce passage, c'est un que j'ai le moins aimé. Je m'en souviens encore. Ah ouais, attends. On va poursuivre le baby là. Oh, il m'a saoulé. Bon. Voilà, attends, on va nettoyer tout ça. Oh putain, c'est casse-cou. Purification. Mais arrêtez de repousser. C'est abominable ça! J'en ai marre!
purification! C'est que vous m'impressionnez. Mais c'est sûrement parce que je ne m'attendais pas à ça de vous. Bon, votre heure de gloire est passée. Passons à autre chose. C'est l'endroit que c'était le plus dangereux, quoi. Parce que Zoomer, c'est maniable comme... Retourne dans ta boîte, là! Oh là là, allez dans ton trou, là! Allez dans le trou! Allez dans le trou! Dans le trou! Bon, tout lui, j'ai bouffé. Aïe! Dans ton putain de trois rats là. Là, là, là. Là, à droite. Allez, rentre. Rentre dedans, putain. Y'a qu'un seul putain de trou, rentre dedans. Là. Quick. Oh, et tout. Et tout, c'est féroce, quoi. Allez. Allez. Allez, va dans ton trou, putain! Allez! Allez, allez! Et le deuxième! Putain! Allez! Oh, Itos, c'est féroce, quoi. Bon. Bon, l'avantage, c'est que si j'ai besoin de vie, il y a l'écho vert ici. Ce fils de chat, quand il monte là-haut, j'ai envie de... Mais quel enculé! Lui, il provoque, hein. Ah! Maniabilité zéro! Oh putain de merde! Regardez, il accélère en plus! Ces boîtes d'écho noirs ne présagent rien de bon! Mais arrête d'accélérer! Ah!
mer. Hey. Oui. J'ai perdu de la vie, c'est pas grave. J'en récupère. Putain de merde. J'en récupère. On va récupérer toutes les sorts. Voilà. Voilà, plein d'or. Ouais. En tout cas, c'est ici qu'on récupère le max d'or pour l'équipement de notre fioc et les 120 de l'autre statuette de merde. Non, la pile d'énergie était à moi. I wanna die! 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 Leur cœur! Allez, refais-moi ma journée, toi, c'est bon. Ah, t'es là. C'est ça, avec ta couche de merde, là! Tu fais le thug? Mais t'es qu'un baby! Mais putain! Putain! Je rage là! Oh! Oh! Bien joué! Ces lurkers ne font pas le poids face à votre zoomer. C'est une pile d'énergie de plus. Ouais. Bon, on va faire ça bien, on va faire ça propre. Il faut pas que je me rate là. Aïe. Bon, je récupère la petite orbe, voilà. Allez, encore 20 orbes et je suis refait. Voilà, tranquille. C'est pas vrai. Les gars, je suis maudit, hein. La tête de WAM, je suis maudit. Faut accélérer, en gros, faut y aller à fond, sur ralenti, c'est la bourre. Bon allez, cette zone, adios amigos. Là on va faire cette moitié de la zone. Ah quoi, c'est quoi ça? Oh merde. En fait j'ai pas débloqué la moitié. En fait il y a encore plein de zones à prendre. Parfait. Mécamouche. 5, plus que 2. Dax, je suis déjà un peu sur les nerfs, ok. Moi, mais il en reste encore pas mal. Merde!
Ah, les bâtards, ils les mettent super loin. Oh, je le sentais gros comme une maison. Oh là 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 là. Arrêtez de vous moquer de moi dans le chat, c'est pas gentil. En tout cas, bienvenue à ceux qui rejoignent ce live sur Jak and Daxter, le jeu d'anthologie. Best game ever. Bon. Léger rictus. Non, ma question est comment j'accède aux autres zones là? Comment je vais là, là? C'est sûr qu'il y a, encore... il y a plein de trucs à ramasser là. Attendez, je vais faire un dernier tour, voir si j'ai rien oublié. Ah, il y a un portail bleu ici. Bordel de merde. Il y a un portail bleu. Je sais pas ce qu'il va faire hein, ce portail bleu hein. Mais je le sens pas. Je le sens pas trop. Ah. Ah mais il m'a permis de trouver la dernière mécamouche, le portail bleu. Parfait. Et je me permets de le rater. Vous voyez la détresse dans laquelle je me trouve? Ah. 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 Je vais l'avoir les gars, je vais l'avoir. Vous avez vu ma détresse? Pour une orbe, ce que je suis prêt à faire. Sans déconner, Dax. Bon. C'est un jeu PS2, Alexis. C'est Naughty Dog qui l'a fait, les créateurs d'Uncharted et de The Last of Us. Damn, dude. C'est à l'époque de la PS2. Sur PS1 c'est Crash Bandicoot, PS2 c'est Jak and Daxter, PS3 The Last of Us et Uncharted. Uncharted, je sais pas comment on prononce, on s'en fout. Donc voilà, you know.
Oh oui, ils me l'ont compté. Je suis concentration là. Une dernière fois, mais vraiment, après je me casse. Allez, on y croit là, là c'est le moment fatidique. Il est où? Mais il est où sans déconner? Allez hop, fuck you! Je me casse! Allez hop, adieu. Salut coquine. Merci d'avoir sauvé cette taupe. C'est très gentil de votre part. À bout de la pile. Voilà une pile d'énergie pour vous. Je vais pouvoir poursuivre mes recherches. Yeah. Salut Loulou, j'espère que tu vas bien. Bien, bien. Allez, à vous la deuxième pile. Oh, vous avez les orbes. Voilà la pile d'énergie, comme promis. Oh merde, il m'en manque... Bon, c'est pas grave, il y a encore plein de PNJ, là. Salut les PNJ. What? Oh, yeah, ma pauvre tête. Ce n'est pas l'un de vos organes vitaux. Salut Kiki. Allons, d'inertie, soldat. Pour sûr, j'étais fort dans le temps. Sûrement le plus fort de tous, même. Tout seul, j'ai défendu ce village contre ces affreuses créatures pendant presque une année. Et puis, ce monstre horrible est arrivé et il nous a bombardés. Alors... plein d'ardeur et de courage, je suis monté sur la colline pour l'affronter. Mais il m'a aplati comme un vulgaire steak de Yako. Vous avez déjà essayé de l'attaquer avec vos tirades? Parce que moi, ça me tue. Après ma dernière défaite, il a bloqué la voie menant à son repère avec un bloc de 30 tonnes. Depuis, plus personne ne peut aller le défier.
Alors, notre sage, maître en écho bleu et mécanicien de génie, a conçu une machine capable de dégager ce bloc du passage. Oh, mais hélas, il a disparu avant que nous ayons pu l'essayer. En emmenant toutes ses piles d'énergie avec lui. J'ai quand même réussi à retirer assez de passerelles de notre pont pour empêcher le monstre de venir ici me faire du mal. Ouais, bien joué, soldat. Mais il va falloir que vous les remettiez en place et tout ça. Bien sûr. Et causez ma perte. Bon, d'accord. Amenez-moi 90 orbes et je remettrai les passerelles. Mais je refuse de me battre contre ce monstre à nouveau. Il est sérieux ? Oh, fantastique. Vous m'amenez les orbes précurseurs. D'accord, je vais réparer le pont. Mais je ne veux plus jamais avoir affaire à cette créature. Parfait. Ah, il me donne une pile d'énergie quand même. Bon. Salut monsieur Oshira, j'espère que ça va. Oh non, pas un autre héros. J'ai perdu ma culotte lors d'un combat d'un pseudo-héros contre le monstre. Croyez-moi, il faut miser sur le monstre. Ce pari m'a complètement ruiné. Mais j'ai une proposition. Apportez-moi 90 orbes pour que je puisse me refaire et sortir de ce tonneau en échange d'une pile d'énergie. Et si ça vous tente, je vous propose un autre pari. Si vous battez le record de la course du défilé du défunt dans le bassin précurseur, à moi le gros lot ! À moi le gros lot ! Ce qui vous vaudra une nouvelle pile d'énergie. Oh non. Pas y retourner. Bon allez hop, on va aller se promener un peu par là-bas. J'hésite à aller nager jusque là-bas, vous voyez. Gauche, droite, allez on va à la droite. Oh non! Non! Pas le marécage! Je déteste le marécage!